Bonjour. Bonjour. Salut, je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, si tu veux. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Louane, et toi? Je m'appelle Emma. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de mon copain Pierre. Il t'a fait quoi? M'a largué. Mince, pourquoi? C'était pas indiscret? Parce qu'on n'était pas assez proches. C'est que c'était pas le bon, et puis à mon avis, il fallait vite en retrouver un autre. Ou peut-être pas. T'as bien raison. Je vais m'en trouver un autre et vite fait bien fait. Je vais pas passer ma vie à pleurnicher pour un mec. Oh, taisez-vous. Je vais vous donner vos emplois du temps. Oh là là, on va se calmer. Hein. C'est que le premier jour de l'année. Et sinon, t'as un copain, toi? Non, j'en ai jamais eu. Ah bon? C'est bizarre. Pourtant, t'es super jeune. Ah bon, tu trouves? Bah ouais, grave. Pourtant, quand j'étais petite, j'ai couru pour échapper à un garçon qui voulait me faire un bisou. Et vu que j'ai cru que c'était vrai, j'ai couru plus vite que j'ai pu. Et là, je me suis pris d'un poteau. Ah ouais, t'es pas douée. Ça m'étonne pas que t'as jamais eu de copain. Et ouais. Et sinon, c'est quoi ton style de musique, film? Bah, j'écoute du rap et j'aime bien les comédies romantiques. Ah bon? Ça tombe bien, moi aussi. C'est un signe du destin. Mmh. Coucou. Salut, ça va? Mieux, et toi? Bah oui. Merci pour ton message hier soir. J'étais vraiment pas bien et comme d'habitude, t'as réussi à m'apaiser. T'inquiète, c'est normal, je serai toujours là pour toi, t'es ma meilleure amie. Et t'as pas oublié, il y a soirée chez moi le... Le 3 février? Ah mais non, pas du tout. En plus, je suis déjà prête pour ce jour-là et j'ai grave hâte. C'est trop cool. Ouais, en plus, ton cadeau t'attend déjà. Ah bon? C'est trop gentil de ta part. Et sinon, t'as prévu d'inviter Pierre à ta soirée? Mon ex? Alors là, pas du tout. J'en ai rien à faire de lui maintenant. T'as quelqu'un d'autre dans ta vie? Peut-être. Et c'est qui cette personne alors? Ah ah, tu le sauras bientôt. J'ai hâte de savoir qui c'est, ça me fait un peu peur. T'as pas à avoir peur, t'inquiète. J'espère juste que cette personne voudra sortir avec toi. J'espère aussi, car je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu m'avouais? Et au fait, c'est qui cette personne que t'aimes? Bah, c'est dur à dire. Bah vas-y, dis-moi, t'inquiète. Ah mais c'est moi? Tu regrettes pas ce qui s'est passé hier ça? Ah non, c'était trop bien. Mais arrêtez! Mais pourquoi vous rigolez? Ah bah voilà les bouines. Ah les filles, vous me faites pitié, touchez-moi même pas. Regardez-vous, espèce de sale lesbienne. Qui a pris cette photo? C'est moi, et de toute façon vous allez faire quoi? Donne ce téléphone. Vous avez vraiment que ça à faire? Tout le monde a sa place, évaluation, ça vous calmera un peu. Mais oh, arrêtez! Vous voyez pas que Louane elle pleure? Vous avez jamais vu deux filles s'embrasser, sérieux? Oh, ça suffit! Le prochain qui bouge ou qui fait une remarque, il a 2 heures de colle, voire 4, si ça lui suffit pas. Bon nettoyage. T'as vu? Pierre, il s'est ramené à la soirée. Mais oui, c'est ma... Qu'est-ce qu'il faisait là? Il avait pas le droit d'être là. Bah non. Vous n'avez pas vite au fini vos conneries toutes les deux? Pauvre fille. Allez, cassez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Deux de vos camarades se sont donné la mort hier soir. Il s'agit de Emma et Louane. Putain. Mais pourquoi elles ont fait ça?
L'enquête nous le dira, mais apparemment elles ont été victimes de harcèlement. Quoi comme harcèlement? Vous savez très bien de quoi je parle. N'importe quoi. Tu vois, je te l'avais dit qu'on allait trop loin. Ta gueule, qu'est-ce que tu racontes, toi? Eh, oh, stop. Étant donné la gravité de la situation, il n'y aura pas cours demain. Utilisez ce temps pour réfléchir à ce qu'il s'est passé. J'espère que ça leur servira de leçon à ces petits cons. Tu penses qu'ils vont comprendre? On verra bien au monde demain. J'espère que Mrs. Small n'aura pas eu de problème à cause de nous. T'inquiète pas pour lui. Allez, viens, on va nager. Bonjour. Asseyez-vous. Sortez vos cahiers. Oh wow. Excusez-nous du retard. Merci. Non mais c'est quoi ce délire? Vos camarades et moi-même voulions vous montrer la gravité de la situation. Chaque jour, le harcèlement conduit de plus en plus d'élèves à passer réellement à l'acte. Votre comportement à tous va avoir ce genre de répercussions. Je compte sur vous pour changer d'attitude à l'avenir.